Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftops to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match de l'UEFA Euro 2020. C'est parti pour donc ce match entre les Pays-Bas et l'équipe d'Ukraine. Ce match se débute dans le groupe C. Les deux plus grosses équipes qui vont donc s'affronter. Il y a aussi l'Autriche qui est pas mal. Mais voilà, ici à Saint-Pétersbourg, à nouveau pour ce match, ou plutôt bonsoir, hein, désormais, parce que ici c'est au soir. On peut voir Virgil van Dijk, le joueur de Liverpool. On va tout de suite entendre les deux hymnes, enfin, surtout l'hymne des Pays-Bas et l'hymne de l'équipe d'Ukraine. L'hymne ukrainien, maintenant l'hymne des Pays-Bas. Voilà, l'hymne pour l'équipe des Pays-Bas. Voilà la compo avec Seyersen, De Ligt, Babel, Depay, Bergwijn, De Roon, De Jong. On a aussi Wijnaldum en 4-3-3. Alors, donc la compo des Pays-Bas, maintenant la compo de l'Ukraine. Avec donc Lounine, Malinovski surtout. Donc, petit truc avant. Voilà, on va tout de suite régler ça. Et donc, c'est parti pour ce match entre les Pays-Bas et l'équipe d'Ukraine. Un match comme les autres. Qui peut faire mal, effectivement. Et pour l'instant, les Pays-Bas qui dominent déjà. Hein, avec Van Dijk, De Ligt, De Roon, avec De Jong. Le joueur Blaugrana, Francky De Jong, Wijnaldum, Martin De Roon. Ouais, Bergwijn qui a failli récupérer la balle, c'est du coup pour Konopianka. Et ouais, Zinchenko qui n'a pas su récupérer la balle. C'est du coup une remise de touche pour l'équipe néerlandaise. Avec
Frankie de Jong, pas sublime avec Daley Blind. Daley Blind, Babel. Oh la tête pas loin du tout. Là de Bergwijn qui remise à son tour vers le milieu ce ballon qui sera donc pour les Pays-Bas. Attention, Junior Morales. Daley Blind. Wijnaldum. Ouais, ballon perdu, hein. C'est pour Junior Morales. Avec Yarmolenko. Et il y a Van Dijk aussi. Et il y a Van Dijk qui vient gagner son duel. Virgil Van Dijk. Le Hollandais volant qui du coup vient gagner son duel. Superbe passe. Ou le tacle. Le tacle sur Babel. Ce ballon, on va voir. C'est pour qui? C'est pour du coup les Néerlandais. Avec Wijnaldum. Qui a fait en arrière sur Dumfries. Bergwijn. Et ce ballon qui sort donc. En corner, c'est du coup pour Daley Blind, le corner qui va être tiré par les Néerlandais. Wijnaldum, Bergwijn. La frappe, oh la reprise de Babel qui était vraiment à deux doigts de rentrer. Babel qui, je vous rappelle, est le joueur du club de Bruges. Le tacle, effectivement, soit des Pays-Bas, soit l'Ukraine. Où il y a double chute, on ne sait pas qui c'est qui a fait le tacle en premier. Ah ben c'est l'Ukraine qui est venue tacler. C'est du coup pour Daley Blind. Daley Blind qui va donc faire la reprise, la retournée du joueur néerlandais. Oh, le coup franc et cette reprise de volée qui aurait pu largement faire mal. C'est du coup pour Lenin, le gardien d'Ukraine. Van Dijk. Quel geste Ronaldo-esque. Là que Martin de Roon, c'était Martin de Roon qui avait fait ce geste, le joueur de l'Atalanta. Attention, la frappe et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Avec Daley Blind, c'est reparti avec Wijnaldum. Wijnaldum. Gardien qui, je vous rappelle, est Jasper Seidesen. Voilà, ballon perdu, c'est du coup pour l'équipe de l'Ukraine. Martin de Roon qui intercepte quand même cette balle. Beaucoup de pertes de balles, hein, du côté néerlandais. Krivstov. Butko. Yarmolenko. Krivstov. Avec Sodrunchuk. Junior Morales. Frankie de Jong avec Bergwijn. Memphis Depay, c'est pour Bergwijn. Bergwijn. Ce ballon qui est pour le gardien finalement. Zinchenko. Le ballon de Zinchenko, beaucoup trop long. Et forcément Virgil van Dijk qui vient arrêter cette balle, décidément exceptionnelle. Il est inarrêtable là. Virgil van Dijk. C'est pour Babel. Babel, le ballon pour Babel à nouveau. Il y avait même Fils de Paille, il y avait surtout Bergwijn. Ce ballon pour Jorginho Wijnaldum, mais c'est perdu. Avec Jorginho Wijnaldum qui récupère, n'empêche la balle. Memphis Depay qui décide de jouer un peu plus vers le milieu de terrain. Memphis Depay, il décide de protéger ses balles. Oh là, le petit pont là, passé. Memphis Depay, magnifique frappe. Magnifique frappe. La lucarne qui rentre. Une Panenka. Voilà, superbe celle-là, cette action. Elle est vraiment magnifique. D'abord le petit pont, puis la remise sur
Memphis Depay pour finalement terminer dans le goal. Et moi ça, magnifique. Ce geste de Memphis Depay. Le joueur lyonnais qui du coup vient marquer ici. Zinchenko, on est reparti avec Konopianka, Malinovski, Martin de Roon. Ouais non, ce ballon perdu. Ou attention, ce ballon qui peut être perdu, qui finalement est récupéré, n'empêche pour l'Ukraine. Mais c'était à deux doigts d'être récupéré là par les néerlandophones. La touche du côté Pays-Bas. Avec Frankie de Jong. Magnifique passe là pour Martin de Roon. Dumfries. Ouh, attention, Bergwijn. Et ce ballon sort encore en corner pour l'équipe des Pays-Bas. Daley Blind. On va voir le corner qui va être tiré. Daley Blind. Martin de Roon. Ouh, attention, Dumfries. Ce ballon qui est toujours de la surface. Oh là là, l'arrêt in extremis de l'Ukraine. Proche du goal hein, pour les Pays-Bas. Encore une fois, grosse frayeur là pour les Ukrainois. Les Ukrainiens plutôt. Les Ukrainiens. Jasper Seilesen qui jaillit pour récupérer cette balle. Avec Virgil van Dijk. Babel. Voilà, ouais, ballon perdu. Attention, on ne sait pas pour qui c'est. C'est finalement pour Lenin, le gardien ukrainois. Non, ukrainien, décidément, j'arrive pas. La frappe à nouveau de Memphis Depay. Ce ballon pour Zinchenko. Et le corner pour l'équipe des Pays-Bas. Les Néerlandais qui vont du coup concéder un nouveau corner pour pas changer. Zinchenko qui était venu un petit peu trop en force. Avec Daley Blind à nouveau pour le corner. Oh là là, non, c'est pas. Oui, c'était le corner. Et Lenin qui l'arrête. Butko. Sidro Sidurk. Yarmolenko. Sidorchuk, Stepanenko, Junior Moraes, et le ballon qui sort en corner, cette fois-ci du côté ukrainien. On ne s'est pas fait avoir cette fois-ci. Donc les Ukrainiens qui vont donc concéder à leur tour un corner. Je pense que d'ailleurs c'est leur premier corner hein, dans cette rencontre. Malinovski qui va donc tirer le corner pour le côté ukrainien. La tête de magnifique tête d'ailleurs de Mathis de Ligt avec Bergwijn. Lounine. Martin de Roon, Bergwijn. C'est pour peut-être Memphis Depay, non, Memphis Depay qui était hors jeu. De toute façon, donc ça aurait été hors jeu. Ouh, ça fait avoir un petit peu à voir, ce Drouchouk. Yarmolenko, ballon pour Van Dijk. Mathis de Ligt. Martin de Roon, c'est pour Dumfries. Ou le tacle. Le tacle et peut-être le coup franc. Ouh, ça pourrait donner un très très beau coup franc ça. Avec Dumfries qui était venu chercher le coup franc du côté néerlandais. Le Memphis Depay qui pourrait faire très très mal. Ouah, même. Ouah. Ce ballon qui s'en va largement au-dessus. C'est du coup pour le gardien, Lenin. Avec Christophe.
Yarmolenko, Stepanenko, Sidorchuk, la balle qui n'a pas pu récupérer la balle, c'est du coup pour Stepanenko. Junior Moraes, Junior Moraes. Oui, la frappe qui s'envole juste à côté du goal du gardien. Et apparemment, il y a déjà un changement. Berghuis qui va donc rentrer à la place de Bergwijn du côté néerlandais. Avec Van Dijk, c'est pour Wijnaldum. Martin de Roon. Dumfries avec Berghuis. Oh, la passe magnifique, lobé. C'est pour Martin de Roon, le joueur de l'Atalanta Bergame. Ouh, oh, le ballon. Oh, c'est un but gag. Il est dedans ou pas? Ah, c'est goal. C'est goal pour l'équipe néerlandaise. Ah, c'est exceptionnel ce ballon. Ah, un autogol, décidément le premier dans cette UEFA Euro 2020. Ah, ça c'est pas mal, ça on n'avait jamais vu. À la tête de. Ouais, c'est exceptionnel. Butko qui vient donc encaisser, marquer dans son propre goal. Ah, c'est pas arrivé hein, des fois. Et donc voilà, 2-0 ici, un autogol de Butko, et ça fait du coup 2-0 malheureusement ce match qui est quasiment pillé pour l'équipe ukrainienne. Malinovski, Yarmolenko, Stepanenko, Sodrochuk, Konopianka. Et le ballon qui donc sort en corner pour l'équipe ukrainienne cette fois-ci, à nouveau. Ouais. Ce ballon qui est donc du coup en corner avec Malinovski. Ou ce ballon qui s'envole. Et Francky De Jong qui vient donc chercher cette balle. Le joueur Blaugrana. Wijnaldum. Ouh, cette balle. C'est pas fini, Francky De Jong. Et l'arrêt de l'équipe de l'Ukraine. Krivstov. Malinovski. Stepanenko, cette balle pour l'équipe toujours ukrainienne. Ouais, la défense des Pays-Bas qui n'a pas pu récupérer la balle. C'est toujours pour Stepanenko. On a Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum, joueur des Reds. Anki de Jong. Sidorchuk. La frappe juste à côté. 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Dans cette première période ici de ce début du groupe C en UEFA Euro 2020. Jasper Seydesen. De Ligt. Martin de Roon. Oh, la passe qui fait mal, Dumfries. Ouf, c'était vraiment de faire un 3-0 là. Et voilà, 2-0 ici dans cette rencontre. Et pour l'instant, les Pays-Bas qui dominent assez bien face aux Ukrainiens. Et on a eu un autogol aussi dans cette rencontre. Sur le papier, la possession, voilà. C'est l'Ukraine qui gagne quand même. Mais effectivement. Est-ce qu'on voit les Pays-Bas dominent hein.
8 tirs. 0 faute pour les Pays-Bas, 2 seulement pour l'Ukraine. Ça va encore. 3 corners pour les Pays-Bas, 2 coups francs. 113 passes réussies, 89. 7 centres, 14 interceptions. Mais malheureusement, l'Ukraine qui domine quand même sur les interceptions, 16. Et les tirs arrêtés aussi, 3 pour l'Ukraine. Mais bon, c'est tout à fait normal. Ça, il y a eu beaucoup plus de tirs du côté des Pays-Bas que du côté ukrainien. Et donc, on va passer à la suite de cette rencontre. 2-0. Ici, un but normal. Et attention, cette remise déjà qui commence mal. Cette seconde période, attention. On a Memphis Depay qui peut encore mettre en doute l'équipe de l'Ukraine. Jorginho Wijnaldum, Daley Blind. C'est pour Babel. Oh, ça c'est exceptionnel. La passe. La frappe. Oh, le petit. Oh, c'est sublime. Oh, c'est sublime cette frappe. Encore une fois, la même que tout à l'heure. Martin de Roon. L'équerre là. Ça vient chercher l'équerre et ça rentre. Et moi ça, l'équerre. Et ce ballon qui franchit la ligne de but. Et surtout la mauvaise remise aussi des Ukrainiens. En tout cas, un très très beau but. Hein. Martin de Roon. Le joueur de l'Atalanta de Bergame qui du coup fait mal ici pour l'équipe ukrainienne en UEFA Euro 2020. Virgil van Dijk. Avec Tinchenko. La frappe et l'arrêt de Jasper Sedosen. Daley Blind. Wijnaldum. Qui est récupéré pour l'Ukraine. Yarmolenko. Oh, le tacle. Le tacle de Babel non sanctionné par monsieur l'arbitre. Il y a quand même des gros des gros tacles hein, dans cette rencontre. Mais monsieur l'arbitre qui ne range pas toujours. La frappe et l'arrêt de Jasper Sillesen. On a Daley Blind. Wijnaldum. Ouf. Décidément, enchaînement de tacle pour Babel. Récupération pour l'équipe des Pays-Bas. C'est pas fini, Memphis Depay qui perd la balle. Il n'a pas pu la récupérer. C'est pour Lenin. Konopianka. Les petites touchettes là. Et Martin de Roon. Martin de Roon qui fait sur Bergoys. On a perdu. C'est récupéré avec Christophe. Cidrochouk. Oh, le ballon magnifique pour Babel. Babel. Oh là là, il a réussi à monter le second poteau. Le joueur néerlandais. Et là, ça aurait pu faire extrêmement mal. Ça aurait été dans le goal. Car un 4-0, ça aurait fait mal. Mathis De Ligt. Avec Francky De Jong. Wijnaldum, Babel. Memphis Depay, Babel. Daley Blind, ouais, mais la balle beaucoup trop haute pour Memphis Depay, le joueur de l'Olympique Lyonnais.
Les supporters qui s'énervent un petit peu là sur ces tacles. On a Virgil van Dijk avec Daniel Blind. Oh, le tacle! Le tacle pour la surface. Quelle va être la sentence? Carton jaune, carton rouge pour Virgil van Dijk, carton jaune. Mais un très très beau coup franc là pour l'équipe ukrainienne. Il a même taclé Frankie de Jong, Virgil van Dijk. Ouh, ça peut donner un très très bon coup franc, ça, avec Malinowski. Et ouais, la défense des Pays-Bas qui est toujours là présente, le mur néerlandais. C'est Frankie de Jong qui est venu chercher de la tête la balle. Et c'est du coup un corner. Le corner pour l'équipe ukrainienne, ce ballon, ouais. Qui est du coup pour Jasper Seilesen. Ouais, changement annoncé, Quincy Promes qui va donc rentrer à la place de Babel. Et voilà, Quincy Promes. Avec Jasper Seilesen, on est reparti. Martin de Roon. Dumfries. Bergwijs. Oh, le ballon qui est passé très très vite. Bergwijs. Là, ça cherche une opportunité. Et ils ont raté l'opportunité là, l'équipe néerlandaise. Oh, ce ballon qui est bon pour Konopianka. La frappe et ça pète. Seilesen. La balle longue. Dumfries. Oh, le ballon très très long. Oh, si ce ballon était arrivé et hors jeu, très certainement, peut-être. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être. Ouh, le tacle, oui, ils arrivent quand même à obtenir un coup franc, hein, l'équipe néerlandaise. Daley Blind qui va jouer avec la passe sur Martin de Roon. C'est raté avec Daley Blind toujours. Ouais, hors jeu. C'était un petit peu trop optimiste. Ouais, c'était tous hors jeu, hein, les joueurs néerlandais. Et c'est du coup pour le gardien. Lunin. Balle récupérée pour toujours l'Ukraine. Avec Zinchenko. Matisse de Ligt qui perd la balle. C'est pour Zinchenko avec Lunin. Lunin qui est venu très très loin du goal. Ça joue un petit peu le tiki-taka là pour les deux équipes. Les Néerlandais qui perdent beaucoup de balles et les Ukrainiens aussi qui perdent à leur tour. Il y a Daley Blind, le tacle oui, de Daley Blind. Ça va donner du coup un coup franc pour l'équipe ukrainienne. Daley Blind, effectivement. Malinowski a fait cette balle et le coup franc assez intéressant, ça peut faire but. Ou attention, Jasper Seilesen avec Daley Blind. Wijnaldum. On a Memphis Depay. Memphis Depay qui est encore trouvé. Assez magnifique, hein, ses passes. Les passes très très propres. Une si promesse qui a perdu le ballon. Et donc rendu pour l'équipe d'Ukraine avec Jasper Seilesen. Ce match qui est vraiment du tiki-taka pour l'instant. Et on peut revoir encore Bergwijs ici. Elle est très rapidement. Et ouais, qui trouve personne une fois de plus. Sur cette passe, sur ce centre.
En tout cas, Memphis Depay encore exceptionnel aujourd'hui. Il a prouvé après un but. Enfin. Ouais, un but et une action qui a fait très très peur à l'adversaire. C'est du coup l'autogoal. Mais oui, effectivement. De toute façon, il a été toute sa saison. Hein, Memphis Depay, c'était un joueur talentueux toute cette saison avec l'Olympique Lyonnais. C'est un peu le Neymar lyonnais de l'Olympique, enfin de cette Ligue 1, Conforama, qui du coup ne redémarrera pas, et on pourra déjà dire à l'année prochaine, plutôt à la saison prochaine pour les équipes françaises. Ce qui est assez étonnant, surtout en France, c'est que la Ligue 1 est annulée, mais la Coupe de France n'est pas annulée. Et donc les... C'est quand même, encore une fois, assez étonnant. Avec une si promesse. Ah, ce ballon, c'est une perdue, encore une fois de plus, avec le Nin. Malinowski. Le ballon pour Junior Moraes. Christophe. Stepanenko. Attention, Mathis de Ligt. Ce ballon récupéré avec attention Bergueuse, c'est pour Memphis Depay. Ouais, non, la mauvaise passe là de Memphis Depay sur Bergueuse. Bergueuse qui est très très rapide, hein. Le joueur le plus rapide de cette équipe ukrainienne. Oh, magnifique! Bergueuse encore qui est venu faire des miracles et oui, un peu trop. Le Nin qui vient tacler dans les pieds. Monsieur Arbitre qui ne mange pas. Forcément, c'est un gardien, il faut plus que ça pour qu'un gardien ramasse un jaune. Mais quand même, c'était assez dangereux, hein, ce tacle. Oh, attention, la frappe et l'arrêt de Jesper Seglesen. Ce ballon avec Daley Blind, c'est pour Wijnaldum. Van Dijk. Petit de Jong, Mathis de Ligt. En tout cas, pour l'instant, les Néerlandais face à l'équipe d'Ukraine. À moins qu'il y ait un miracle en fin de match, je pense pas qu'ils puissent revenir, hein, au score. 3-0, c'est un peu trop pour revenir en quelques instants. Il va falloir le temps additionnel, hein, ça tombe, on va peut-être remettre beaucoup. Et il y aura peut-être encore un moyen aux Ukrainiens de faire une petite remontada. Non, juste 2 minutes, c'est pas assez. C'est pas assez, mais à la fois c'est possible. On a déjà tout vu, hein, dans le football sur la chaîne. Quincy Promesse, le centre. Peut-être pour Memphis Depay et ce ballon qui s'envole juste à côté du goal de Lenin. Qui s'énerve un petit peu, hein, Lenin. Je trouve que sa défense est un petit peu trop passive avec ses ballons néerlandais. Memphis Depay. Du coup pour le gardien, le Nin. Attention, peut-être dernière action avant la fin de ce match. Et oui, c'est la fin de cette rencontre. Et voilà, Monsieur Rabbit qui lève son bras. Et le ballon s'arrête. C'est fini. 3-0. 3 pour les Pays-Bas, 0 pour l'Ukraine. L'équipe ukrainienne qui se fait malmener, hein, par l'équipe des Pays-Bas. Ça fait extrêmement mal. Hein. C'est jamais joyeux de se taper en 3-0. En début, en plus de cette coupe de l'UEFA Euro 2020. En tout cas, merci d'avoir regardé ce match à mes côtés.
Et on va tout de suite aller voir la prochaine rencontre. On va s'arrêter là-dessus. Et donc la prochaine rencontre sera Serbie-Autriche. Donc ça sera la rencontre du jour. Avec les très très belles équipes. Information à faute de compétition pour l'instant, la phase de groupe. Qui se rapporte comme ça. Les Pays de Galles premier. Avec 3 points, mais 4 points de différence. Enfin, 2 buts, pardon, de différence. L'Italie, avec qui est deuxième dans le groupe A. La Belgique qui est première, forcément, dans le groupe B, hein, parce qu'ils ont battu la Russie. Les Pays-Bas, en même temps que la Serbie. Mais bon, la Serbie n'a pas encore joué, donc c'est pas encore fait. Et puis, il y aura encore les autres matchs. Hein, Angleterre, Croatie, il y aura Espagne, Pologne. Angleterre, Allemagne, Portugal. Les grosses équipes sont encore à venir. En tout cas, merci d'avoir regardé ce match à mes côtés. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, un commentaire. Et salut à tous.